Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, Sam Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis là pour présenter une bourse qui est vraiment renommée. C'est la bourse de Cost. Voilà, c'est-à-dire King Abdullah University of Science and Technology. Donc, pour cette bourse-là, ça concerne que le master et le doctorat. Donc ceux de la licence, ça ne serait pas possible. Si seulement que vous postulez pour une admission et une admission sans bourse bien sûr. Donc ici la bourse que je vais vous présenter c'est pour juste le master et le doctorat. Voilà, donc on va passer en revue rapidement les dates limites et puis voilà, on va essayer aussi de présenter les documents qu'il faut et comment est-ce qu'il faut les postuler, parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut les postuler. Pour ceux qui ne maîtrisent pas beaucoup comment est-ce qu'on postule à une admission et à une bourse. Voilà, donc je vais mettre en français comme ça tout le monde pourra se retrouver. Donc ici par exemple, si vous venez là, vous venez la date, le délai, quand est-ce que cette bourse là va prendre fin. Voilà, donc ici pour la candidature, nous vous encourageons à terminer le processus de candidature le plus tôt possible. Voilà, et la date limite c'est quoi? C'est le 31 mars 2022. Donc si je considère bien, vous avez au moins 2 mois ou bien moins de deux mois pour pouvoir postuler et passer à la bourse, vous comprenez. Voilà, donc ici on va essayer de voir comme ça. Donc c'est le 31 mars pour la date limite. Donc ici on va essayer de voir comme ça les exigences de candidature. Qu'est-ce qu'il faut pouvoir postuler? Donc, voici les éléments dont vous avez besoin. Chez Cost, nos étudiants et professeurs viennent de tous les coins du globe, apportant une perspective multiculturelle aux défis. Ici, est rigoureusement et approfondi, ce qui nous permet de cultiver une cohorte de futurs leaders mondiaux. Donc, voici les conditions d'admission aux études supérieures qu'on prenne. Donc vous devez avoir comme ça vos relevés universitaires, voilà, plus vos diplômes. Et ici vous devez avoir votre CV, voilà. Ceux qui ont les CV repassent, vous pouvez les mettre aussi. Ils ont dit un CV, ils n'ont pas précisé le type de CV, donc c'est un problème. Ok, donc une lettre d'intention. Je vous ai déjà dit, une lettre d'intention, c'est comme une lettre de motivation en miniature. Voilà, donc c'est à vous de voir et de leur envoyer une lettre d'invitation ou bien une lettre d'intention. Et ici vous devez avoir 3 lettres de référence, c'est à dire 3 lettres de recommandation. Voilà, et ici il y a un score de quoi, le TOEFL, c'est à dire vous devez prouver que vous maîtrisez un peu l'anglais. Donc ceux par exemple comme ça qui ont déjà des cours qui sont dispensés en anglais, pour eux c'est pas un problème, ils n'ont pas besoin de spécifier tout ça. Donc ici cette fois-ci, ils ont essayé d'abréger vos souffrances, c'est-à-dire en ce qui concerne le test GRE, ce ne sera pas la peine. Voilà, donc en revue, ce que vous devez avoir, relevé, CV, déclaration d'intention, 3 lettres de recommandation et puis le score de langue. Voilà, donc une fois que vous arrivez là, vous allez maintenant venir ici, c'est-à-dire rapport scolaire et relevé de notes. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Donc ici vous devez soumettre un relevé de notes universitaires complet officiel, des feuilles de notes, un certificat de fin d'études, ça veut dire que vous allez prendre le diplôme plus le relevé de notes, un dossier académique de chaque établissement précédemment fréquenté, un scan de relevé de notes officiel fourni par l'université dans la langue maternelle doit être téléchargé dans l'application en ligne avec la traduction en anglais certifiée. Donc ceux qui ont les documents par exemple comme ça qui ne sont pas en anglais, voilà, vous devez les traduire forcément en anglais. Donc quel que soit le dossier et la langue que vous avez chez vous, vous devez forcément traduire les dossiers en anglais. Donc votre relevé de notes doit être inclus à l'échelle de notation universitaire pour tous les documents soumis. Si l'admission est proposée, un relevé de notes final officiel doit être envoyé au bureau des admissions avant l'arrivée de l'étudiant. Donc ici si vous êtes sélectionné comme ça, vous allez envoyer maintenant les originaux de vos documents avant que vous n'arriviez dans cette université là. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pour le CV ici,
Le CV est un résumé de votre expérience professionnelle, de votre expérience de recherche et d'autres informations. Donc, comme je disais, le CV, vous pouvez prendre l'Europass ou bien vous pouvez faire un CV normalement, comme vous le savez déjà. Donc là, c'est pas un problème. Après ça vient la lettre d'intention. Je vous ai déjà dit, je vais pas relire tout ce qu'il y a ici. La lettre d'intention, c'est ici 750 mots. Ils ont demandé 750 mots. Voilà. Donc c'est une mini lettre de motivation, donc vous savez ça déjà. La lettre de recommandation, on dit quoi de la lettre de recommandation, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous devez avoir trois lettres de recommandation soumises à votre nom. Les lettres de recommandation sont importantes et doivent être rédigées par des professeurs. Donc par des professeurs ou des conseillers auprès desquels vous avez poursuivi des recherches ou suivi des cours. Donc vous allez chercher des professeurs ou bien des conseillers pédagogiques. Voilà. Dans votre université, l'université que vous avez déjà fait. Ces professeurs doivent être vraiment prêts. Ce sont des personnes qui doivent être vraiment près de vous pour vous rédiger des lettres de recommandation et qui vous permettra comme ça d'accéder à l'université d'Abdullah. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et pour pouvoir postuler, c'est très simple. Voilà, vous savez déjà. Donc, vous venez d'appliquer maintenant ou bien vous regardez d'abord les programmes. Vous venez d'appliquer maintenant ici. Donc c'est pas aussi compliqué que ça. Donc sachez que la bourse COS est une bourse qui est vraiment qui est hyper importante. Donc ici, si j'essaie comme ça de vous aider, vous allez mettre vos informations personnelles ici. Donc si moi je mets et puis okay. Ici le deuxième nom c'est pas vraiment important et ici mon mail je vais prendre ok et ici le mail encore française, je vais mettre ça en anglais. Ok, donc à la naissance, si je viens par exemple pour le master, je vais mettre 2002 ici. Ou bien je vais mettre comme ça 2005. Le jour, le mois et l'année. Ok, donc intérêt pour cost, je vais choisir maintenant le type de diplôme que je viens faire. Si je viens faire le master, je mets le master. Voilà. Et ici, je vais choisir celui-là pour la rentrée d'août et d'octobre. Ici, le programme que je vais faire la mécanique ingénierie et je vais me spécialiser en mécanique ingénierie. Ok. Après cela, veuillez saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe dans l'espace ci-dessous. Ici, je vais prendre comme ça le nom d'utilisateur, je vais prendre. Je vais choisir le mot de passe qu'ils ont proposé pour ne pas trop faire trop perdre du temps. Ok, donc une fois que c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de soumettre. Donc je vais vérifier rapidement. Voilà, et je vais soumettre. La connexion doit comporter plus de 5 lettres. Ok. Okay. Et je vais soumettre.
Ok, donc on attend un peu que ça puisse charger. Ok, donc les informations ont été envoyées comme ça dans votre mail. Voilà, please click here to login your application. Donc ici, je vais cliquer là pour pouvoir continuer mon enregistrement. Ok, donc ici, comme c'est déjà enregistré, c'est automatique chez moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là et je choisis ce qui est là, c'est tout. Directement, mon mot de passe apparaît là, donc je n'ai pas besoin d'enregistrer ou bien de mémoriser mon mot de passe parce que moi-même j'ai déjà enregistré sur mon cloud ici. Donc, ici, après cela, je fais un login pour aller sur la plateforme et essayer de faire quoi? Essayer de chercher à postuler. Ok, donc application zip code. Donc ici le zip code, n'oubliez pas. Donc ici applicant zip code, applicant zip code, code postal. Ok, votre code postal. Si je viens par exemple comme ça d'Abidjan, voilà. Donc, je peux prendre un code postal ici. 1863. Ok. Type of user, agree. Et ici. Et là, aussi, vous cochez et vous continuez à créer votre application. Voilà, donc arrivé là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Start Application. Voilà, et vous allez commencer maintenant à remplir tout ce qui est là. Voilà, c'est-à-dire programme d'études, après ça, scholarship sponsor, personnel information. Après cela, vous allez remplir tous les éléments qui sont là. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vais faire une seconde vidéo tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les remplir. Voilà, donc à tout à l'heure les gars.